Salut tout le monde. Salut. C'est Canito et Toche pour Scanner Fishing. On est toujours en plein hiver et c'est pas prêt de s'arrêter apparemment. L'hiver, c'est une saison qui est réputée assez difficile pour la pêche. Nous on trouve pas personnellement. Non. Pour nous, il y a au moins deux techniques primordiales pour faire du poisson en hiver, pour pas connaître de grosses baisses de régime là. C'est la verticale et la pêche en linéaire, mais la pêche en linéaire avec des grammages adaptés à des profondeurs. Parce que vous savez que l'hiver, souvent les poissons ont tendance à descendre un peu dans la couche d'eau. Aujourd'hui, on va essayer de pêcher exclusivement en linéaire, en plus de 10 grammes. Donc ce qu'on appelle nous, entre nous, de l'évi linéaire si vous voulez, ou de la linéaire un peu plus costaud que de la linéaire qu'on pourrait faire en street fishing ou quoi, avec des grammages de 2 à 10 grammes. Là on va pêcher que en plus de 10 grammes. Ouais. Ça permet aussi de pêcher un peu plus, prospecter un peu plus de zones, un peu plus rapidement, ça peut être intéressant aussi. Je pense que les poissons devraient se situer autour des 10 mètres, je pense, vu la température de l'eau, ouais, je sais pas combien on est. La température est à 10 degrés là, pas très froid. Ouais. Objectif cendre, forcément, poisson de saison. Peut-être brochet, mais on va pas le chercher spécialement. Perche aussi, grosse perche. Voilà, donc cendre et grosse perche, ça serait déjà pas mal. On va prospecter une zone qu'on ne connaît pas avec cette méthode-là. On connaît cette zone pour le brochet, on connaît pas cette zone pour le cendre, donc ça va être surprise. Vous allez découvrir ça avec nous. C'est parti. C'est clair. Ouais, je vais commencer avec un petit piglet. Bon résultat en Espagne avec. Donc je commence avec un leurre, toute confiance. Et Canito, il commence avec un Fat Boy Swim prototype avec une taille nouvelle qui sortira incessamment sous peu. Donc là, en fait, on va pêcher directement le lit du ruisseau qui alimente ce bras du lac. La berge est derrière moi. Donc c'est la zone la plus profonde du coin. On va tomber vraiment au fond et animer doucement près du fond. Allez, pas de poisson au premier lancer, tout va bien. Poisson. Ouais. Poisson pour Canito. Sous le bateau, non? C'est à 5-6 mètres du bateau. Voilà. Le pit is under. Et voilà. On commence par ça. Cool. J'espère en faire plus gros. C'est bien déjà. Allez. C'est bon signe. Ouais, c'est reparti. Allez. Optimiser le relâcher. Ah oui, toujours. Hein. Là, surtout là, qui sont à 11 mètres de profondeur, faut surtout pas hésiter à leur mettre un petit peu d'aide à la descente, en fait. Faut c'est les aider ça. À repartir plus bas. Le leurre, c'est ça, c'est le Fat Boy Swim, mais en petite taille. 8 cm en taille proto. Il a un test, et ça commence bien pour un test. Bien. Pas mal. Allez, c'est parti. Yes. Poisson. Oh. Raté. On n'a pas coffré le blanc. Ça aussi, c'est un indice. Je vais mettre un autre leurre. Ouh, poisson. Et là. Ouais, bien vu. C'est déjà plus joli. Ouais. Ah oui. Bon. Je suis revenu sur le premier là. Ah ouais, putain, c'est fou. C'est cartouche. C'est bon ça. Ouais, tu vas en passer un. Hein. Ouais, cartouche. Je remonte pas trop vite non plus. Mais j'avais pas de ouais, dans 10 mètres d'eau. Ah, mais c'est déjà plus joli. Ouais, je souhaite. Fais gaffe, il a à peine piqué. Hein. Et voilà. Yes. Ah ben celui-là il est plus joli. Dans le soleil en plus. Voilà. T'es revenu sur le même leurre, vous voyez, on a passé quoi en tout peut-être 5-6 leurres différentes depuis, on n'avait plus de touche. Canito il est revenu sur son leurre premier là. C'est vraiment ça qu'ils veulent, hein. Il n'y a pas à dire. Il va retourner voir ses amis. Ses petits copains. Ouais. Release assez rapide comme allez, vas-y. Il est parti comme une balle. Ah, il était chaud bouillant celui-là. Celui-là, il était un peu plus vigoureux. Ouais. J'ai presque cru une perche sur le coup. Bon, allez, passe-moi ton leurre là pour voir. TP, c'est quoi? Toujours pareil, 10 grammes? Tout pareil quoi. 10 grammes, ronde, couleur plomb de base. Quoi. Ok. Allô?
Oui, et les facteurs, ils sont débordés. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, il a Noël, il y avait pas mal de colis. Bon, je te laisse que je suis à l'atelier à un poisson, là. Voilà, ciao, ciao. Ben voilà. Faut qu'on m'appelle pour en faire du fiche, quoi. Non, ah faut juste que tu mettes un fanboy pour faire du fiche. C'est incroyable, quoi. Premier lancé, hein. Il y a du vif là. Poisson. Oh, c'est petit. Oui, c'est petit. Dans les vifs, hein. Vraiment, je sentais les vifs sur la ligne. Petit sambre. Une perche. Oh, perche. Ah, une perche. Yes. Yes. Ah, mais ça fait plaisir. Ça, c'est bien, ça. Ouais, j'en avais pas vu encore. Hein. Allez. Toujours pareil. Hein. Ça va être le leurre du jour, je pense. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Poisson. Coquinou. C'est une perche, ça. C'est une perche. Ah, un petit sambre. M'en fous, c'est un poisson. Pourquoi chercher des poissons trophées quand on peut se faire plaisir avec des touches et des poissons même petits se régale. Canito vient de pêcher le poisson Kinder Surprise. Pour le, deux, pour le prix d'un. C'est un peu plus gros que... Oh là là, ouais, c'est nettement plus gros que nos leurres, en fait. C'est étonnant, je vais lui rendre, non. Nous ne sommes pas tout seuls. J'ai trouvé le nid. Tiens, regarde ton sang qui repart. Oh. Je vais aller voir mes parents. Tu vas voir mes parents, je le dis à mon père. Chercher ta mère. Poisson. Oh, des crocs. C'est pas possible. Il était beau, quoi. Celui-là. Petit. Je loupe les gros et je fais les petits, quoi. C'est dommage. Hop. Dis bonjour à la caméra de papa. Joyeux Noël. Désolé pour le dérangement. Poisson. Canito est passé un montage tandem. Yeah. Ah, c'est cool. C'est plaisir. Cool. Allez, repart. Poisson. Ah, peut-être un peu plus, oui, si. Bon, je sais pas, dans le milieu, en fait, non. Ah. Au moins, c'est coffré. Pas obligé de faire descendre d'un mètre, hein. Pour se faire plaisir. À bientôt. Et passe de bonnes fêtes. Comme à vous tous, d'ailleurs. Bonne fête à tous. J'espère que vous aurez des fat boys à Noël, parce que ça vaut le coup, hein. Poisson. Avec un peu de chance, il se fera bouffer par un brochet d'un mètre au passage. Non, je suis con. Oh, ça va. Ouh. Perche. Et elle est jolie en plus. Allez, ça. Joli poisson, hein. La deuxième aujourd'hui. Elle est belle, hein. Ouais, elle est belle, ouais.
peux filmer, oui. Vous aurez droit à ce magnifique combat. Ce magnifique release aussi. Non, c'est top. Qu'est-ce qu'il y a mon release? Non, il était très beau. Ouais, peut-être qu'avec la luminosité qui baisse là, là on vient de perdre le soleil complètement. Il est 3h et quart. C'est couvert à fond. Peut-être. Allez, il nous reste une demi-heure de pêche avant de rentrer dans nos foyers et on va essayer de faire le plus gros. Le gros, allez, restez avec nous, on va voir. On va voir s'il y a un gros à la fin de cette vidéo. Ah non, il faut l'aider. Oui, 4h30. Allez, il faut que je sois à 4h30 à la maison. Allez, on monte l'heure pour le poisson. Voilà, dernier lancé, j'allais dire. C'est énorme. C'est énorme, Calito. Tu fais pas le gros là maintenant? D'habitude, tu fais le gros, d'habitude, tu finis. En tout cas, c'est moins moche. C'est moins moche? Ah oui, c'est moins moche. Je vais mettre mon fat bob, t'as besoin des buzettes. C'est une jolie perche, je pense. Ouais. Dès que vous parlez de finir une session à Calito, il se met à faire du poisson. C'est extraordinaire. Ça m'énerve. Ça t'énerve. Ne décroche pas. Hein. Ah voilà. Voilà. Bah. C'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Il est beau. Waouh. Il est super beau. À défaut d'être gros, il est magnifique. Wow, les couleurs. Cendre léopard. Ça y est, j'ai parlé de terminer la session à Canito, ça y est, il s'énerve. Voilà. Tac. Il y a une couleur, quoi. Ouais, pour finir, c'est top. Il est vraiment beau, hein. Voilà. Et voilà, fin de journée. On voulait vous prouver avec cette vidéo qu'en hiver, c'est quand même possible de faire des touches, de faire du poisson. Pour s'adapter à la situation. Toujours. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à mettre un gros pouce bleu pour nous soutenir. Si vous voulez encore plus nous soutenir, nous prouver tout votre amour, et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et alors là, on sera extrêmement contents. Vous pouvez même encore plus cliquer sur la petite cloche de notification. Et alors là, c'est le summum. Si jamais vous faites tout ça, vous êtes sans contest un big fan de Scarlet Fishing. On vous a remercie énormément. On se voit bientôt à Clermont. N'oubliez pas, on vous donne plein d'infos là-dessus bientôt. Et on continue avec nos vidéos régulières. Voilà. De plein hiver. Voilà. Où on se caille les miches, mais voilà. C'est pour la bonne cause. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.